Voilà tout le monde, toujours à DreamHack Tour 2017, un petit peu plus au calme ce coup-ci, et en très bonne compagnie, car je suis en compagnie de Sparadrap, alias Frédéric, qui est animateur sur l'auditorium Pierre de Ronsard, donc l'auditorium 700 places à la DreamHack. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va super bien. On m'a appelé pour venir hoster toutes les compétitions sur l'auditorium, donc Ronsard, 750 places à la DreamHack. Moi, c'est ma première DreamHack. Ça fait super plaisir de venir pour présenter et animer sur la scène de la DreamHack, qui est quand même un événement majeur dans l'e-sport en France. Quoi. Ça fait quoi de monter sur scène et d'animer comme ça un public déchaîné? Ça donne la hype? Ah oui, ça donne la hype de suite. Après, moi j'ai un peu l'habitude quand même de monter sur scène. Avec nous, on a fait déjà deux fois le Grand Rex, j'ai déjà animé plusieurs fois, que ce soit avec Kayane ou seul sur les salons. Donc du coup, j'ai quand même une certaine habitude à ça. Mais même si habitude, il y a toujours quand même un petit peu de stress avant de monter sur scène. Toujours, à chaque fois. Mais voilà, il y a toujours autant la hype et moi ça me fait super plaisir. Je suis content, quoi. Je suis content de faire ça. C'est mon boulot et ça me plaît. Donc c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Et le cadre aussi est impeccable. En tant que gamer, le cadre est vraiment très très très. Tu joues à quoi en particulier? Alors vous allez rire, mais pas vraiment tout ce qui est LOL, Hearthstone, ou même Overwatch. Ça, Overwatch un petit peu. Moi, je suis plutôt un joueur console. Ouais, tu vois. Donc en ce moment, je suis sur Doom, par exemple. Je suis le dernier Doom de chez Bethesda. Donc voilà, je suis plus un gros joueur de console. Voilà. Donc le dernier jeu que j'ai fini, pour te dire, c'était Little Nightmare de chez Namco Bandai. Très 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 bon, d'ailleurs je vous conseille, un très très bon jeu à un petit prix, mais c'est vraiment une belle claque, moi j'ai beaucoup aimé. La durée de vie est certes un petit peu faible, mais ça reste un puzzle game qui est très très bon et j'ai beaucoup aimé, ouais, vraiment, je me suis pas embêté. Oui, donc tu as dit au début de l'interview que c'était ta première DreamHack. Est-ce que tu as l'habitude de faire d'autres événements, vraiment des conventions publiques? Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, j'ai fait la Paris Games Week avec beaucoup de Malorian aussi l'année dernière. Après moi je suis habitué au salon, hein. J'en fais autant que comédien pour la web-série Noob, que seul pour les animations en tant que Fred, que ce soit là le dernier salon que j'ai fait par exemple, c'était le Toulouse Game Show Spring Break. Donc voilà, là je vais partir au Mad Story à Metz, il va y avoir Strasbourg et le Japan Addict, les Geek Day à Lille, il y a beaucoup de salons qui vont arriver là très très prochainement. Il y en a beaucoup, c'est une part importante de ton boulot aussi. Là, c'est quasi la grosse part de mon boulot. Je suis animateur sur scène et je fais généralement des animations dans les salons spécialisés, effectivement. D'accord, et c'est pas trop difficile de gérer Noob, les salons, plus les animations en même temps? Ben non, puisque Noob c'est fini, maintenant il y a Noob Rush qui attaque, mais ça va être vraiment occasionnel, tout ça, mais donc on va toujours tourner, mais occasionnellement, on va dire. Ça sera tout de moins, ça sera pas pareil qu'avec des films de Noob. Et donc du coup, non, ça va, j'arrive encore à gérer ça, à gérer mon planning et mon temps la semaine, et à pouvoir jouer un peu, à tester des jeux quand même, et gérer mon planning familial aussi. D'accord. Au niveau de la DreamHack, donc là tu commentais sur l'auditorium de Ronsard, c'est principalement du LOL aujourd'hui, tu suis beaucoup les équipes sportives ou pas? Je commence à suivre les équipes, parce qu'il faut quand même savoir un peu son sujet, donc je commence un petit peu à suivre, à regarder, à me documenter, tout du moins à me renseigner sur la chose. D'ailleurs, la DreamHack c'est une bonne école quand on connaît rien. On vient, on découvre. Du coup, ça, c'est très intéressant. Ensuite, après, oui, effectivement, j'essaie. Alors, je ne joue pas, mais j'essaie quand même de me renseigner sur la chose. Donc, tu es également streamer. Streamer sur quoi principalement? Alors, moi, je suis connu pour être streamer rétro. Je stream essentiellement du retro gaming. Ouais. Mais là, on commence à arriver vers des next-gen, un peu plus de next-gen. Je stream en duo local avec Zamanat, qui m'accompagne dans la vie et qui est streameuse elle aussi, donc Zamanat Chan, si vous voulez le trouver sur Twitch. Et moi, Sparadrap Guild de Loup, si vous voulez me trouver aussi sur Twitch. Voilà, donc on stream une à trois fois par semaine. Et c'est assez cool, on a une communauté grandissante qui aime bien ce qu'on fait, donc merci à tous. Voilà. Oui, je pense effectivement que la plupart des gens te connaissent via Noob, hein, directement. Oui, bien sûr. Et en revenant sur une autre question que j'avais posée avant, c'est, tu arrives à maigrir les streams avec tes streams, avec ta vie physique, enfin ta vie, oui, ta vie physique, ta vie réelle, c'est-à-dire les conventions, les... Oui. Oui, parce que c'est la semaine, alors que moi je travaille le week-end principalement. D'accord. Sur les salons. Donc oui, j'arrive totalement à gérer les streams la semaine et autres. Je peux les faire aux heures que je veux, et voilà, donc c'est plus facile pour moi. Eh bien écoute, merci à toi alors pour cette petite interview. Merci à toi surtout. Et puis bah, écoutez, à très très vite. Venez me voir sur mes pages respectives. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est Fred Zolf.
Fred of the Dead sur Facebook. Voilà, Fred of the Dead sur Instagram aussi. Enfin, n'hésitez pas à liker mes pages et pour suivre mon actualité. Voilà. Ouais, assez transmis. Bah écoute, merci encore à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Bon courage pour cette fin de DreamHack qui s'annonce. Comment tu l'as trouvé d'ailleurs ? Je t'ai même pas demandé. Très sympa. Très sympa. Très très bel événement, très bon événement. Vraiment sympa. Une bonne ambiance. Ça c'est important. J'espère revenir l'année prochaine ? Oui. Bon, c'est parfait. Alors ça va. Parfait, merci à toi. Merci beaucoup, Nicolas.